se retrouve aujourd'hui face à un bolide. Un bolide de la mort qui tue, mon ami. Voici le colis le plus important, je dirais le plus important qu'on ait eu, enfin qu'on ait eu, que j'ai du coup, depuis le début de la chaîne, mec. Avec ça, tu vois, ça, c'est directement un passage, tu vois, une place VIP dans le game, tu vois, vers le game, tu vois. Je te jure, c'est un truc de ouf. Du coup, on va tout de suite dégainer le bolide de son petit carton. Et tu vas voir ce que c'est. T'as envie, tu vois, sur la miniature, je vais même pas mettre ma petite gueule de Jean Célestin en coin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire, où je suis comme ça avec le petit objet, comme un con. Mais j'ai pas, cette fois, je vais pas me mettre avec l'objet, tu vois, sur la miniature. Donc là, t'as envie de savoir ce qu'il y a, tu sais pas ce qu'il y a, mec. On va voir tout de suite. Ça va pas déconner. Du coup, nous allons dégainer ces ciseaux de classe, un petit peu gros quand même. Mais ça va faire le taf. Un petit scotch. Je vais essayer de pas brutaliser le truc, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fragile. Donc c'est un pack avec plusieurs trucs dedans. Putain, il y a un carton dans un carton. C'est de putain de mise en abîme, le truc, tu sais. Ok. En vrai... Mais ouais, il y a un carton dans le carton, mec. Ça n'a aucun sens. Genre, on dirait un carton qui coulisse, tu sais. Putain. En plus, je sais que t'aimes bien mes petites vidéos unboxing. Bon, la dernière vidéo unboxing de mon vélo, elle avait bien marché. Les gens, ils ont kiffé, tu vois. Il y a eu beaucoup plus de pouces bleus par rapport au nombre de vues que d'habitude, tu vois. Donc t'aimes me voir en extase face au colis, tu vois. Mais il n'y en aura pas tout le temps, parce que ça coûte quand même des sous d'acheter un truc, tu vois. Tant donné qu'on vend pas non plus un maximum de t-shirts, ok. Non, c'est joyeux. Depuis qu'ils sont à 15€, ça se vend mieux, tu vois. Néanmoins, ça y a contribué, tu vois, parce que l'argent des t-shirts, on s'en sert pour restock les t-shirts et pour investir dans la chaîne, tu vois. Et ça, c'est investi dans la chaîne. Certes, c'est quelque chose que je me suis acheté qui m'appartient, mais néanmoins, c'est totalement pour la chaîne. Bon, s'il n'y avait pas la chaîne, j'aurais pas eu besoin de le prendre. Si c'est pour la chaîne, c'est également pour vous. Putain, mais comment on ouvre ce putain de colis? Je ne sais pas comment on ouvre ce colis, mec. C'est... Ah, ok, d'accord. Tu sais quoi? Bon. Ah bah si, en fait. Il y a juste un scotch ici, c'est tout. Voilà, voilà. Alors mon gars, moi aussi je le découvre en même temps que toi, hein. Du coup je suis excité. Voici ce qu'il y a. Ouh. Ouh. Oh là là. Mec. Putain. Voici. Voici le bolide, mon gars. Oh putain, ça fait plaise, hein. Ça fait carrément plaise. Il s'agit d'un Panasonic GH4. Donc ça, mon gars, c'est un tank. C'est un bolide, c'est un tank, c'est une fusée. C'est un missile coréen, ça, mon gars, tu vois. Ah putain, ça fait plaisir. Hein. Ah, je suis content. C'est un petit peu lourd, par contre. Mais tu vois, donc c'est... Ça filme en 4K, tu vois. Une 4K de type cinéma, mon ami, tu vois. C'est la 4K badass qui tue, tu vois. C'est au-dessus de la 4K normale, tu vois. Par exemple, t'as le Full HD, t'as du 1440p, du 2,7K. T'as la 4K UHD, donc la 4K qui a sur la plupart des vidéos, tu vois, qu'on filme. Enfin bon, c'est une 4K de GoPro, donc pas non plus ouf, tu vois. Mais la 4K normale, mais là, c'est au-dessus de la 4K normale, mon gars. De la 4K cinéma, tu vois, genre le film que tu vas constater au cinéma, tu vois. Et ben, c'est la même 4K que... Enfin, non, peut-être pas. Il y en a, ils filment en 5, mais tu vois, des petits films, tu vois, ton petit feuilleton, c'est souvent du 4K cinéma, tu vois. C'est genre un truc qui t'arrache la gueule, littéralement. Mais attends, on va pas l'ouvrir tout de suite. Non. Parce qu'il n'y avait pas que ça dans le truc. Car en fait, je t'explique. En fait, c'est un pack. Pack, il y a... Chez. Je crois qu'il y a une couille dans le potage, mon ami. 2 hours later. Enfin, peut-être qu'il n'y a pas de problème, en fait. Ah si, ok, d'accord. Parce qu'en fait, c'est un pack. Où dedans, il y a une sacoche, une batterie, une carte SD offerte. Et je me disais, mais... Ah mais waouh, dis donc, ça a totalement dérivé. Et donc justement je cherchais la sacoche. Mais je dis où est-ce qu'elle est la sacoche? Et ben, en fait elle est à l'intérieur de cette boîte. En fait je croyais que c'était une grosse sacoche, tu vois, mais en fait pas du tout. Je suis auto-stressé pour rien. Knack. En fait tu vois ça normalement, ce pack il vaut 2250€. Qui est un prix qui te perfore littéralement l'anus, tu vois. Tu crames pas de 1250€ comme ça. Mais c'était à 999€. C'est quand même cher. Mais mec, c'est tellement moins cher que ça, mec, il y a moins 53%. Mec, en plus, c'est un appareil que je kiffe, tu vois, c'est vraiment le truc qu'avec le cron, on voulait acheter si on devait acheter un truc, tu vois. Et mec, ils font ça à 1000 au lieu de 2250€. Du coup, mon gars, j'ai vu ça, j'ai vu ce réduit, je me suis dit, comment t'as ? Du coup, j'ai pris tout ce que j'ai eu à Noël, j'ai tout pris, tout l'argent qui me traînait, tout ce qu'il pouvait y avoir. Et j'avais pas encore assez, du coup, ma mère, elle m'a avancé le petit reste qu'il y avait, du coup, bah, j'aurais pas de cadeau à mon anniv. Et je rembourserai, ben, le reste. Attention! Petite sacoche.
sacoche. Ah oui, donc c'est vraiment pas grand. Bah on va faire le petit unboxing de la sacoche. Ah, moi-même, je l'ai pas vu, tu vois, je me fous le suspense, tu vois. Et c'est comme ça qu'on savoure plus le truc, tu vois. Donc, je vais un peu comment c'est foutu, ouais, donc c'est une sacoche de type sacoche. J'ai jamais eu d'appareil photo auparavant, donc j'imagine que c'est une sacoche classique d'appareil photo. Soit c'est pas un appareil, enfin c'est un hybride, quoi. Donc, petite bandoulière. Que petit rangement. Voilà, du coup, c'est une sacoche que je mettrais dans mon sac de vélo. Une sacoche dans le sac, c'est distingué. Donc voici la petite sacoche de lecture. Et maintenant, tu le vois au fond. Le bolide, mec, le bolide. Putain, j'arrive pas à le sortir. Mec, mais c'est parfaitement emboîté au fond. Il suffit de pousser au fond. Je sais pas, ça veut dire, je sais pas, en ce moment, là, vu que je suis heureux, je suis complètement con. Du coup, je ne réfléchis pas. Putain. Ah. Voilà. L'arme est à l'intérieur. Je vais vous prendre des plans de bâtard. Hein. J'irai également filmer des édits à des gens, tu vois, j'ai passé en mode filmeur. Ça va être tellement propre. Ah, le Toz. Ah, d'accord. J'avais écrit, comment ça s'appelle 32, une carte de 32 gigas, mais non. C'est deux cartes de 16 gigas. Ils sont intelligents. Alors ici. Mec, c'est quoi ça? Des putains de manuels. De type manuel, mais je vais les garder, tu vois. Par là, je vais faire un connard, tu vois. Je vais dire, ouais, c'est bon, je les lis pas, je suis utilisé un truc. Mais je regretterai un jour ou l'autre. Ça, c'est comment fonctionne l'objectif. Oui, pour le jeu, par contre, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, tu vois, l'objectif. À la limite, les réglages, je sais ce qu'il faut régler. Néanmoins, je ne sais pas mettre un objectif. Voilà. Oula, attention! Attention! Donc voici l'objectif qui est extrêmement léger. Bon, je ne sais pas ce que ça pesait un objectif, tu vois. Voilà, c'est très drôle. Alors. Donc ça, c'est le truc qui va au bout de l'objectif. Je sais pas si c'est vraiment utile, mais si tu le mets, ça fait plus badass déjà. Donc on va le mettre. L'objectif. Du coup, voici. C'est ouf, mec. Tu vois, donc il s'agit de l'objectif. On veut dire, mec, c'est ouf. Comment sur les photos, t'as l'impression que c'est plus gros. Mec, c'est tout petit en vrai. Waouh. Théma. Waouh. C'est excellent. Et là, tu retires et tu vois à travers, je crois. Tu peux voir à travers. Waouh. Mec, on voit absolument rien. Ouais, en tout cas, ça fonctionne. Là, je vois ma main, là. Enfin bref, c'est pas fait pour faire ça. Et là, on va sortir l'objet ultime. C'est le... Mec ! Mec ! Mec ! Non, mais c'est une blague. Mec ! C'est minuscule. Mec ! Mec, c'est tout petit. Voici le GH4. C'est pas trop petit, mais mec... Bon, non, ça va, en fait. Mais je sais pas comment on le sentait, là, dans la boîte, il avait l'air extrêmement petit. Du coup, tu vois, j'ai transpiré pendant quelques secondes. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Donc il y avait une batterie supplémentaire dans le pack, tu vois, pour charger. Ça charge quoi d'ailleurs? Oh, c'est une prise. Ah oui, d'accord, du coup il faut la batterie là-dedans, très bien. Et ça charge avec un micro USB classique. Et là, donc le petit Lumix avec GH4 sur la petite bandoulière que je mettrai bien évidemment pour pas le faire tomber. Donc du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Après, putain, c'est un putain de bordel là. Le pire, mon gars, c'est l'état de mon lit, t'as tout dessus, t'as tous les habits, t'as les cartons, y a tout. Y'a tout, ouais, ça, du coup, ça va immédiatement aller dans la poubelle, hein, on va s'embêter plus que ça. Du coup, on va faire une petite analyse intelligente. Attends, je cote. Et là, donc, le petit Lumix avec GH4 sur la petite bandoulière, que je mettrai bien évidemment pour pas le faire tomber. Petite bandoulière, de type Made in China, comme il y avait écrit dessus. On sait qu'une bandoulière, plutôt... Qui semble bien accroché. Non, on s'en bat les couilles en fait, tu vois, c'est une bandoulière. Bah, c'est un peu léger. Tu vois, ça fait un peu fragile quand même, tu vois, j'ai peur de l'éclater le truc. Mais il y a une petite matière là, tu vois, qui fait que ça accroche bien. Et ça me semble plutôt correct. Il y a un petit écran amovible, merde. Bang. Donc, tu peux le dégainer,
le tourner pas dans... Si, tu peux même le mettre comme ça, pour te filmer en mode « Hey, salut à tous !» Tu vois, t'as ton petit retour. C'est vraiment pas grand, hein. Tant mieux, tu vois, mais... Du coup, voici le capteur. L'intérieur du truc, tu vois, normal. Mais tu vois quand même que l'appareil, il déconne pas, tu vois. Quand tu le vois, même si t'y connais rien, tu captes, tu comprends que c'est pas du caca non plus, quoi. La petite molette, tout ça, quoi, c'est sympathique. Je vois pas ce que je peux dire d'autre, mais de toute manière, il est pas chargé, donc je peux pas l'utiliser. Ouais, non, il fait nuit, du coup, je pourrais pas vraiment le tester. Du coup, comment se met un objectif? Ah, voilà. Donc voici l'objectif, tu vois. On verra les nonnes viser comme ceci, là, en mode « I am a pro !» Ah, c'est marrant, c'est cool. Donc me voici en position du méga appareil. Et je sais pas, mon gars, je viens de me dégonfler d'un coup. Genre là, je viens de choper une flemme de finir la vidéo, c'est un truc de ouf. Parce que là, tu vois, je suis trop en mode « comment ça marche ?» tu vois. Donc j'ai perdu le moment de la découverte, tu vois, maintenant que j'ai découvert le truc, y'a plus aucune adrénaline. Putain, je suis content, hein. Je suis très content. Très très content. Du coup, ben voilà. T'as kiffé, enfin, je sais pas, t'as bien aimé ce petit unboxing, qui est pas en soi une vidéo hyper pertinente, tu peux lâcher un petit pouce bleu. Et si t'as envie de voir ce que ça va donner, eh ben tu t'abonnes. C'est tout. Voilà. A plus. Jusqu'à la personne, c'est le casque à nouveau monde. Toujours perso, je fais mes calculs, je fais mes ronds. Ce n'est pas l'envie d'argent, mes pensées s'élargissent. Solitude me va comme un grand sam, gars, je suis convaincant. Convaincu, ces bâtards guettent seulement de loin. Géniteur prend la fuite, j'ai jamais demandé d'aide. Dans le cas contraire, je serai présent si tu m'en demandes. En attendant, je me démerde avec ce qui le mal. Fuck le mal-être. Zéro pilule, aucune sensation du manque. Sensation du mic, la sensation.